Bonsoir à tous dans l'actualité alsacienne de ce lundi 9 décembre. Quel avenir pour ces maisons à Colombages que nous connaissons bien? Le conseil départemental du Bas-Rhin a lancé un concours pour leur donner une deuxième jeunesse. Éviter que le centre-ville de Strasbourg ne ressemble à n'importe quel autre et soutenir les petits commerces, c'est le souhait de la ville. Un périmètre de sauvegarde pourrait être mis en place. Et puis nous partirons à Paris, gare de l'Est, où les exposants du marché de Noël font grise mine pour cause, la grève contre la réforme des retraites. Et pour commencer cette grève, justement, elle en est à son cinquième jour. Depuis jeudi dernier, les perturbations sont nombreuses. En gare de Strasbourg, les trains sont rares et cela va continuer sur la ligne qui relie Bâle à la capitale alsacienne. Trois allers-retours seront assurés pour se rendre à Saverne et pour se rendre également à Haguenau. Seul un aller-retour sera proposé. Quant au TGV, un train sur cinq en moyenne sera en circulation. Demain, 151 cars ont été commandés pour assurer la desserte de certaines lignes régionales. Demain donc dès 13h30, une nouvelle journée de mobilisation interprofessionnelle sera mise en place. Les manifestants se réuniront à Strasbourg, place de l'Âtre de Tassigny. À Mulhouse aussi, les syndicats appellent au rassemblement. Eux partiront à 10h depuis la place de la Bourse. D'autres rassemblements sont prévus en Alsace. Et cette semaine est décisive puisque les détails de la réforme des retraites devraient être présentés mercredi par le Premier ministre Édouard Philippe. Pour les Alsaciens de Paris qui ne peuvent pas venir en Alsace pour le marché de Noël pendant ces grèves, il y a un plan B. Sur le parvis de la gare de l'Est, producteurs et exposants sont présents depuis le 4 décembre pour la 38e édition du marché alsacien à Paris. Malgré la baisse de la fréquentation ressentie ces derniers jours, les exposants restent confiants. Rencontre avec Nora Boiriwa. Rares sont les trains et métros en circulation depuis jeudi dernier à Paris en raison de la grève contre la réforme des retraites. Rares aussi sont donc les visiteurs de passage sur le parvis de la gare de l'Est. Un impact direct pour la quinzaine d'exposants du marché de Noël alsacien qui estiment déjà à moins 30% leur chiffre d'affaires. Donc on a prévenu en amont pour tous les gens qui travaillent pour nous, qui fabriquent les produits, puisque la fabrication est faite pratiquement en 48 heures. Et donc là, on est, même en Alsace, on est impacté des problèmes du marché de Noël à Paris. On a des clients qui ne viennent pas forcément parce qu'ils savent qu'ils vont être bloqués dans les embouteillages, qu'ils ne peuvent pas se déplacer en métro. Donc pour nous, c'est très pénalisant. Mais malgré tout, il faut être là, il faut assurer et puis rassurer les clients en leur disant que voilà, on sera toujours là, venez nous voir. Les commerçants interrogés ce matin restent donc confiants pour la suite. Généralement, 500 personnes sont accueillies chaque jour sur le plus ancien marché de Noël alsacien hors de sa région. Et en ce lundi matin toujours plus calme, les commerçants ont quand même pu compter sur leur clientèle fidèle. C'est très sympa, il y a plein de jolies choses qui font rêver, qui font voyager. J'ai entendu en entrant des gens sortir du marché disant qu'ils devaient aller à Colmar, qu'ils n'y sont pas allés, que du coup ça leur a fait leur marché de Noël. Donc voilà, ce marché a toutes les qualités. Foie gras, vin, eau-de-vie, gâteaux, choucroute, décoration, un large éventail de spécialités alsaciennes sont proposés ici, sous ce chapiteau jusqu'au 20 décembre, pour vivre la magie de Noël comme en Alsace. On a une mission, évidemment, aussi parallèlement, c'est de, comme je dis chaque année, c'est de faire connaître un petit peu au public parisien nos traditions alsaciennes de Noël. Par exemple, cette année, le thème, c'est la Saint-Nicolas. Faire connaître un petit peu la Saint-Nicolas. On a fait une journée Saint-Nicolas vendredi, évidemment, pour la Saint-Nicolas, avec distribution de Saint-Nicolas aux enfants. Et parallèlement, par exemple, on fait connaître l'histoire du sapin de Noël. Hein, parce que peu de gens connaissent vraiment l'historique du sapin Noël et peu de gens savent que le premier écrit vient de Célestat. Et ce n'est pas tout, puisque durant toute la durée du marché de Noël, un panier garni de produits alsaciens sera mis en jeu chaque jour. Et cette année, Alsace Destination Tourisme a permis de décorer le chapiteau pour que ce petit morceau d'Alsace soit plus visible sur le parvis de la gare. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Les rues de Strasbourg sont-elles si différentes de celles de Nantes, Bordeaux ou même Paris? Elles tendent à se ressembler, vitrines, enseignes, les cœurs de ville s'uniformisent. À Strasbourg, pour maîtriser le paysage de l'hypercentre, la ville souhaite instaurer un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat. Adrien Labi nous en dit plus. <t'->
Dans tous les centres-villes, les mêmes commerces, les mêmes grandes enseignes. Un phénomène d'uniformisation que connaissent bien des cités. Strasbourg n'y échappe pas, et même si le commerce y reste très dynamique, à la mairie on s'inquiète de voir peu à peu l'hypercentre ressembler à n'importe quel autre. Ainsi, la capitale alsacienne souhaite se doter d'un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat. C'est un périmètre qui va nous permettre de savoir lorsque des fonds, des baux commerciaux sont transmis. Ce qu'on veut éviter, c'est la standardisation, d'avoir les mêmes commerces qu'on retrouve partout, d'avoir 10 McDonald's ou de se retrouver un jour peut-être avec un McDonald's sur la place Kléber ou la place de la cathédrale par exemple. Si certaines enseignes semblent être dans le collimateur de la mairie, à l'hôtel de ville, on se veut rassurant. La sauvegarde du commerce de proximité serait plutôt une affaire d'équilibre. Il n'y a pas de marque à éliminer, je veux dire, dans la diversité. Il y a des marques nationales, voire internationales, qui sont présentes à Strasbourg, qui seront toujours les bienvenues à Strasbourg. Mais néanmoins, on veut un petit peu anticiper l'avenir en se disant aussi que, vu le niveau de loyer, notamment par exemple dans l'hypercentre de Strasbourg, c'est à nous aujourd'hui d'avoir les informations et d'avoir au moins le levier d'action, même si on ne l'active pas à chaque fois, de se dire on veut travailler pour le commerce de proximité et l'artisanat, pour qu'il reste présent, pour qu'il soit présent dans des endroits stratégiques du cœur de ville. Le futur périmètre s'étendra à l'ensemble de la Grande Île, la Petite France, le secteur gare, l'ouest de la Cruteneau, le quai des Bateliers et la rue de la Première Armée. Dans ce secteur, la ville devra être informée de toute cession de bail commercial. La mairie se réserve le droit d'intervenir, soit en proposant des alternatives aux vendeurs, soit en dernier recours, en préemptant. Il y aura débat collectif avec la Chambre de commerce, la Chambre des métiers et de l'artisanat, avec les spécialistes du commerce que nous avons à la ville de Strasbourg. Et puis si on doit vraiment appliquer ce droit de préemption, il y aura un débat public au cas par cas. C'est un ultime recours, le droit de préemption. Nous ne souhaitons pas l'appliquer ou l'utiliser tous les jours. On souhaite pouvoir agir en amont. La délibération sera proposée au Conseil municipal le 16 décembre prochain et si elle est adoptée, rentrera en vigueur dès le 18 décembre. Elles sont partout, elles font la fierté de l'Alsace, ce sont les maisons traditionnelles. Pourtant, elles sont peu à peu en voie de disparition. Alors le Conseil départemental du Bas-Rhin a lancé un concours pour leur donner une deuxième jeunesse. Adrien Labie a suivi les lauréats du concours d'architecte de la maison alsacienne du 21e siècle. Reportage. Thiévillers, à deux pas de la Moselle, dans le centre-bourg, cette maison. Abandonnée depuis plusieurs années, elle tombe en ruine. Typique de l'habitat alsacien, ce corps de ferme est au cœur d'un concours organisé par le conseil départemental du Bas-Rhin. Objectif, imaginer comment la faire rentrer dans le 21e siècle. Là où beaucoup y verraient seulement une vieille bicoque tout juste bonne à raser, un architecte, lui, y voit une base de travail intéressante. Sur le bâti en soi, il y a une sorte d'agglomération qui est intéressante. Une sorte de juxtaposition d'époque, de période, de formes qui diffèrent les unes des autres. On a ici une maison historique, donc avec ses encadrements en grès, etc. Et on a juste derrière une partie qui va être réalisée en tôle éternite et encore juxtaposée un élément en parpaing brut avec une tôle ondulée. Cette juxtaposition d'éléments fait partie de la richesse aussi formelle et architecturale du village. De retour à son bureau, Florent Revel se met au travail et après quelques semaines de réflexion, émergent les contours d'un projet. Les plans suivent rapidement. La maison de Thiévillers accueillera des logements pour personnes âgées, un espace service et des ateliers d'artisans. Au cœur de son projet, le lien social, les rencontres. L'idée, c'est de créer une cour commune qui soit le lieu au sein duquel tous les usagers vont pouvoir trouver leur place. Donc c'est une cour qui a une façade unique tenue sur toute sa périphérie, une sorte de colonnade, et où la grande salle polyvalente, les ateliers d'artisans, les espaces communs des logements pour personnes âgées ou le préau. Et en fait, tous ces équipements-là s'ouvrent de façon similaire et analogue sur cet intérieur, et intérieur qui est donc destiné à un lieu de rencontre et un lieu d'échange. Le jury a retenu pour ce projet... Un aspect qui a séduit les jurys du concours organisé par le conseil départemental, le projet de Florent Revel a obtenu un premier prix. Ça fait plaisir de voir déjà que c'est des problématiques un peu neuves, donc qui émergent à nouveau sur le tissu rural. C'est assez récent comme questionnement. Donc c'est vrai que c'est des sujets auxquels je suis attaché, donc c'est d'autant plus réjouissant. Si en effet le patrimoine est à la mode et si les plus beaux villages affichent fièrement leurs maisons à colombages,
Chaque année, 400 maisons traditionnelles sont détruites en Alsace. Au conseil départemental, on espère enrayer ce phénomène en inventant de nouveaux usages pour ces bâtiments. J'espère que ça pourra susciter l'envie ou de particuliers ou de communes d'investir ce champ parce qu'il y a eu des bonnes idées qui ont été retirées de ces échanges aujourd'hui. Habitation, commerce, lieu de sociabilité, cantine ou encore maison de service, les idées ne manquent pas pour réhabiliter ces grandes bâtisses. Ne reste plus qu'à passer de la planche à dessin à la réalisation. Et on termine ce journal avec l'image du jour de Olivier Anne. Voilà le pull de Noël du PSG, mais tous ceux qui vont suivre, oui tous, sont bien des Alsaciens qui ont succombé à cette nouvelle mode, également baptisée le pull moche de Noël, et c'est assez vrai. Tous ces Alsaciens pourront se retrouver sur une page locale dédiée au phénomène, et même le 22 décembre prochain pour un apéro pull moche sur la place de la cathédrale à Strasbourg, ça promet.